les images de la séance de warm-up qui va se terminer bientôt. On vous montre un petit peu d'ailleurs ce qui s'y passe dans cette séance de warm-up avec, vous le voyez, les images de David Châtaignier sur la Porsche actuellement. On fera un point sur la grille de départ pendant le tour de formation comme on l'a fait tout à l'heure, bien évidemment. J'espère que le son vous est désormais bien revenu dans les oreilles. Désolé pour ce petit souci. Vous le savez, c'est toujours des problèmes que l'on essaie de corriger. Je rappelle qu'on est avant tout un stream indépendant. Alors, pour l'instant, le meilleur temps de ce warm-up est à mettre au titre de Gilles Châtelain, le pilote du NG Racing. Gilles, que l'on avait vu très à son affaire en GT Series du côté de Spa-Francorchamps, alors que devant on a un joli tête à queue de la voiture numéro 18, celle d'Alexandre Botella qui continue de faire de jolies pirouettes. Et bien évidemment, on va marquer une petite pause et on se retrouvera dans quelques instants pour vivre donc la mise en grille de cette deuxième manche. N'hésitez pas à aller faire un tour, comme je l'ai dit, dans la description pour retrouver eh bien, tous les liens utiles. Et évidemment, pourquoi pas vous aussi vous inscrire pour la dernière manche. Il n'est jamais trop tard pour participer aux pré-qualifications. On marque une pause. À tout de suite donc pour cette deuxième course de la soirée. Allez les amis, on est de retour pour ensemble eh bien, découvrir la deuxième course de la soirée avec la grille qui est en train de se former actuellement. Les pilotes quittent le garage. Voilà, j'avais un instant un doute sur la qualité de la caméra qui était en train de... peut-être, le jeu était peut-être en train de friser car le son est très très faible dans mes oreilles pour éviter justement ce grésillement. Vous avez été quelques-uns quand même à vous rendre dans la description pendant la pause. On note notamment la petite donation de notre ami F1 League qui nous a donné un petit message alors que le tour de formation débute. On veut des danseuses durant les publicités de tes lives, mon cher Maxou. Eh bien, on verra ce qu'on peut faire. Je demanderai à madame. Merci aussi à Julien Payen qui, dans la journée, nous a soutenus également depuis le dernier live. Anthony Jolin et Bruno Pélis, merci à vous pour votre soutien. Bien sûr, vous pouvez faire de même en vous rendant dans la description. Allez, trêve de plaisanterie, passons aux choses qui comptent, le sport, le sim racing avec le tour de formation qui a débuté. On va donc pouvoir passer ensemble en revue les grilles de départ de cette catégorie GT avec eh bien, 21 pilotes sur la grille, ce qui nous impose de vous montrer ceci. David Lespèce sera donc en pole position devant Olivier Vignon. Olivier Vignon, deuxième, le pilote DTX3 Vincent Queudeville, troisième donc, quatrième place pour Logan Joyeux, cinquième position pour Julien Rosé, sixième place Gaël Méguin, septième position David Delassalle, huitième place Émeric Piretti, on retrouve les mêmes, hein, un petit peu au même endroit dans les différentes grilles de ce soir, Gilles Châtelain, neuvième place devant Fabrice Compan qui complète le top 10. Derrière on retrouve Thomas Pinotto, donc onzième place pour lui, devant Guillaume Dupont, le seul pilote canadien de cette soirée, Didier Galéa, je vais y arriver à force, excuse-moi, se place 13e devant Romain Degnaud. C'est la 15e place qui attend Olivier Mardoc devant Loïc Kamprobst, 17e place pour Nicolas Crespe devant Alexandre Botella, Yann David 20e, Xavier Évrard et 21e et David Châtaignier et normalement Pascal Quirtier devait être là mais il est absent, donc il y a donc bien 21 voitures sur cette grille de départ. On va passer tout de suite donc aux images du direct avec les pilotes qui arrivent tout doucement sous le commandement de David Lespèce sur la dernière ligne droite qui précède, voilà, la structure de départ arrivée. On va voir si on peut vous proposer dans quelques instants de l'action. On l'espère en tout cas, on compte sur nos amis pilotes. Et vous voyez, la grille va se reformer, départ arrêté pour les 5 catégories hein, ce soir, on le rappelle. Et il y aura sans doute encore quelques petits moments d'action avant la fin de cette course. En tout cas, la grille est en train de se former. Les 21 acteurs sont prêts. On voit Logan Joyeux sur la gauche avec un skin bien belge de nouveau. Sur la droite de l'image et sur la grille de droite, Vincent Queudeville pour les TX3. La pole position pour David Lespèce devant Olivier Vignon. Pilote indépendant avec cette vue-ci, vous allez un peu mieux voir ce qui va se passer. Allez, la procédure va débuter dans 5 secondes maintenant. L'extinction des feux ici au Val-de-Vienne pour le départ de la deuxième course. C'est parti. C'est parti avec un très très bon envol derrière de la voiture de Vincent Queudeville qui va peut-être arriver à 5 de front. David Lespèce s'est loupé.
David L'Espèce qui s'est loupé, on est à 3 de front dans la première courbe. Et Vincent Queudeville qui est au coude à coude avec Logan Joyeux. Et derrière, c'est un petit peu plus compliqué. On a une voiture en tête à queue dans la fin du top 10. Et c'est peut-être David L'Espèce qui peut récupérer son mauvais départ. Deux voitures sont sorties, dont Gaël Ménien malheureusement. Et Alexandre Botella. Et devant Olivier Vignon qui a donc pris le meilleur sur le reste de ses petits camarades. Il manque un pare-choc du côté du Unlucky Racing pour Thomas Pinotto. Oh, et un énorme crash dans la ligne droite avec Loïc Kornprobst qui est impliqué, Olivier Mardoc, Xavier Evrard. Ah, il y a plusieurs voitures impliquées, dont deux pilotes du 2F2F Racing. Ah, quel malheur! Malheureusement, Guillaume Dupont et Yann David sur trois roues ne peut pas freiner et va terminer sa course dans le gravier. Et bien voilà, début de course chaud bouillant pour eux. La Porsche ici au Val de Vienne. On poursuit ce tour avec les survivants. Alors que devant, Loïc Kornprobst est en difficulté évidemment. Olivier Vignon mène la danse devant Vincent Queudeville qui a pris un excellent départ. David L'Espèce, le poleman, s'est complètement loupé. Logan Joyeux, quatrième également, départ moyen. Derrière, Thomas Pinotto est chaud, bouillant comme Julien Rosé. Est-ce que Julien est en train de nous faire peut-être la soirée de sa saison? L'attaque de Gilles Châtelain à l'intérieur à la corde avec la Porsche, ça glisse fort. Pour les deux pilotes, Émeric Pierretti se retrouve un peu plus en difficulté. Drapeau jaune dans le troisième partiel de ce circuit. L'attaque pour Thomas Pinotto qui va chercher peut-être la quatrième position. Pas de pilote abandonné pour le moment. Même si on voit qu'Yann David est très très loin. Alors que Didier Gallia a encore glissé, David de la Salle également. David Châtaignier ici à la bagarre pour la 12e position. Gaël Ménien est au box, Loïc Kornprobst qui rentre et Yann David est dans le mur. Yann David dans le mur et Gaël Ménien qui vient d'abandonner. Ça, c'est une information. Premier abandon de la soirée pour Gaël Ménien. Alors, on va retrouver, désolé, la bonne caméra. Voilà, pour vous faire vivre ça avec une vue plutôt potable. Sixième position pour Thomas Pinotto. Oh, qui freine à l'extérieur. Si ça passe, c'est bien joué, mais ça m'étonnerait. Oui, parce que là, il a vraiment freiné, au panneau trop tard. Drapeau jaune dans le troisième secteur de ce circuit. Ah, et pour cause, Émeric Pierretti s'est loupé. Alors, il semble être parti seul à la faute. Le pare-choc avant de sa voiture est désormais tanké dans le bac à gravier. Alors que Yann David a pu rejoindre les box pour repartir, mais pour le compte, ce sera terminé. Allez, on embarque avec David L'Espèce à la chasse de Vincent Queudeville. C'est important pour le championnat. Et Gaël Ménien, deuxième pilote à avoir abandonné. Yann David est pour l'instant au box et va essayer sans doute de repartir. Et David L'Espèce qui refait son retard sur Vincent Queudeville avec une potentielle attaque du pilote de l'équipe Blue Sky Racing sur la voiture numéro 91 DTX3. Devant bien Olivier Vignon, on n'en demande pas plus pour attaquer et prendre ses aises. Et on voit qu'il y a plusieurs pilotes de Unlucky Racing qui sont évidemment dans le giron. Derrière, c'est chaud avec Émeric Pierretti qui, depuis qu'il a perdu son pare-choc, est en grosse difficulté. Et le troisième abandon est à mettre au titre, malheureusement, de Logan Joyeux qui avait fait une très très bonne qualification. Et le Belge devra abandonner cette deuxième course, mais ça n'est pas terminé. Alors, la question d'Espic sur le chat, est-ce une course online? Effectivement, vous assistez à la Coupe de France virtuelle de la FFSA en partenariat avec la FFSCA. Nous sommes actuellement sur le circuit du Val-de-Vienne pour la deuxième course de cette soirée, des sprints de 15 minutes. D'ailleurs, c'est l'occasion de vous dire qu'on est au tiers de cette deuxième course de la soirée. Nous sommes actuellement en direct. Ah, le gros tête à queue de Vincent Queudeville!
Ah, tout seul comme un grand, Vincent qui est sorti. Attention, retour en piste, devant les deux voitures du Unlucky Racing. Gilles Châtelain peut passer, Thomas Pinotto également. Ah là, Vincent Queudeville qui a perdu et les deux coéquipiers qui se percutent. Et Gilles Châtelain qui est dans le bac à gravier à son tour. Ah, ça c'est vraiment dommage, alors que David Châtaignier semble avoir un problème. Ouais, il est dans le bac à gravier. Oui, David Châtaignier qui est dans le bac à gravier. Mais elle s'en passe des choses dans cette deuxième course. Non pas que la première fut calme. Eh ouais, Thomas Pinotto ne peut pas tenir sa voiture dans ces conditions. Et Vincent Queudeville récupère quasiment ce qu'il avait perdu après son tête-à-queue dans le premier virage. Eh bien, merci Despic. Eh bien, si vous êtes comme Despic pour la première fois en train de suivre l'une de ces diffusions, eh bien, soyez le ou la bienvenue. N'hésitez pas autour de vous à partager ces directs si ça vous a plu. Et on se donnera rendez-vous pour la finale du côté de Dijon. Et le contact pour Thomas Pinotto qui va très très fort alors qu'il y a drapeau jaune dans le deuxième partiel. Peut-être que David Châtaignier n'était pas innocent sur ce coup-là. Yann David est reparti. On ne l'avait pas précisé, mais il n'est pas à l'abandon. Il a deux tours de retard sur ses petits camarades. Et Olivier Vignon qui conclut un nouveau tour. Le quatrième maintenant avec le record d'ailleurs. Vous le voyez sur la droite de votre écran. 1:35,837. Eh bien, ça tourne bien. Alors que les deux pilotes de l'équipe... Ici, on est du côté du Alliance Compétition pour Fabrice Compan. Même s'il roule sous les couleurs du Unlucky Racing. Structure qui évolue notamment sur iRacing. En plus d'Air Factor 2. Alors qu'on voit le... Alors, le petit message à l'arrière de la voiture, juste devant de Thomas Pinotto, avec sur le pare-choc arrière, en tout cas sur le capot moteur à l'arrière de cette Porsche, le fameux « Eat my dust, Jérôme ». Comme quoi, vous savez, les privés de joke et des petites blagues ici, ça va bon train. Allez, Fabrice Compan qui a un meilleur run à la sortie, peut-être pour la grande ligne droite, l'attaque sur la voiture de Thomas Pinotto. Le petit push pour montrer qu'il est là. L'aspiration qui fait son office. Et sans doute que les dégâts aérodynamiques vont avoir raison de Thomas en bout de ligne droite. Et ça passe pour Fabrice Compan qui s'empare de la cinquième position. Mais ça peut croiser pour Thomas Pinotto. Superbe bagarre entre les deux là. Et Fabrice Compan semble désormais passer devant. Derrière, Émeric Pierretti toujours au cœur de l'action. Il y a également Guillaume Dupont derrière, Didier Galéa. Oh, c'est chaud pour Émeric Pierretti qui prend l'extérieur sur la voiture d'Alexandre Botella, dont on ne peut pas louper le nom sur le tableau de bord. Freinage en grosse dérive pour Alexandre. Et on sent que la répartition de frais est un petit peu hasardeuse sur cette voiture, alors que là on s'est loupé pour Nicolas Crespe. Attention, parce que Nicolas Crespe est en train de faire un très très beau run pour le moment. Il est à la 9e position, c'est pas mal pour lui. Et cette voiture numéro 46 qui devrait, on l'espère, ramener des points. Ça serait bien pour son pilote. Alors que devant les deux, Loustic continue de s'expliquer sans pour autant se lâcher la grappe. Alors que ça glisse beaucoup pour tout le monde. On a presque oublié Julien Rosé, mais il est toujours solide troisième après avoir remporté la première course. Et David Espèce qui reste second avec un énorme retard de 4 secondes. Et même plus sur Olivier Vignon, qui pour l'instant reste le maître à bord. Et derrière, la lutte pour la cinquième place est donc très très chaude. On vous l'a dit il y a quelques secondes. Derrière, ça reste aussi tendu avec un retour au box de David de la Salle qui n'a plus d'aileron arrière. Plus d'aileron arrière pour notre ami David de la Salle. C'est bien dommage. Et il y a David qui est retrouvé... Qui a retrouvé pardon, le 18e rang. Allez, on va suivre la lutte derrière entre Fabrice Compan et Thomas Pinotto. Drapeau jaune, furtif
dans le troisième partiel. Romain Desnoux ici avec un pare-choc avant endommagé. Émeric Pierretti derrière. Didier Galéa se bat pour peut-être intégrer le top 10. Devant lui, c'est Guillaume Dupont. Le pilote du team MDG qui va peut-être porter l'attaque à l'intérieur. Au prochain freinage, changement de ligne. Une seule fois, c'est autorisé. Alors, Thomas Pinotto, cinquième. C'est passé, évidemment, puisque Olivier Vignon a abandonné. L'abandon d'Olivier Vignon, qu'est-ce qui s'est passé? La voiture ne semble pas endommagée. Par contre, derrière, Fabrice Compan et Thomas Pinotto ne se lâchent plus. Il reste 4 minutes 10 dans cette course. Et l'abandon d'Olivier Vignon qui est un petit peu surprenant. Ça n'était pas prévu au programme alors que Alexandre Botella récupère donc la 11e place après l'abandon d'Olivier. Nouveau push entre les deux Porsche ici. Ça se joue à la limite et Thomas Pinotto qui trouve l'ouverture. Attention, ça reste un jeu dangereux hein, si vous commencez à pousser votre adversaire parce que ça peut tout simplement se retourner contre vous. Mais Thomas Pinotto accède désormais au pied de podium. Mais je pense que Fabrice Compan ne va pas forcément le laisser beaucoup tranquille. Derrière, toujours la lutte avec la 9e place désormais. Ensuite, Alexandre Botella du Les Deux Non Racing qui reste juste devant Nicolas Crespe qui était 9e. Il a sans doute commis une petite erreur, Nicolas, parce qu'on l'avait vu tout à l'heure très fébrile sur le train arrière de sa voiture. Et le pilote de la Porsche numéro 46 va sans doute se retrouver désormais en dehors du top 10. Devant, David L'Espèce est désormais en tête puisque Olivier Vignon a abandonné. On ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être Olivier pourrait se rendre sur le chat, mais l'abandon du leader qui a fait, à mon avis, changer complètement la physionomie de cette fin de championnat parce que je pense qu'avec une victoire, David L'Espèce pourrait déjà gagner cette catégorie avant même la manche de Dijon puisqu'il a 120 points avant cette épreuve et le poursuivant en avait 85. Et même si Julien Rosé termine deuxième, eh bien je pense que David sera champion. On va pas parler trop vite, évidemment. Hop, Fabrice Compan non plus n'est pas au bout de ses peines. Allez, Didier Galéa, dixième, qui va peut-être avoir son run. À 2 minutes 30, on est dans l'avant-dernière boucle de cette épreuve. Et le pilote de la voiture numéro 86 qui met la pression, bien sûr. Bonsoir à toutes celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. N'hésitez pas à vous installer et à profiter du chat pour vivre cette cinquième manche de la Coupe de France des circuits FFSA. Coupe de France virtuelle, bien sûr, alors que derrière, Nicolas Crespe remonte. Drapeau jaune dans le deuxième partiel. Ça va, on est reparti sur de bonnes bases. Et bien David L'Espèce qui entame l'avant-dernier tour de cette manche avec 3 secondes 3 d'avance sur Julien Rosé. Le podium est miraculeusement complété par Vincent Queudeville. Encore à la dérive ici, drapeau jaune dans le troisième secteur. Sans doute un pilote en difficulté alors qu'Alexandre Botella se bat avec Olivier Mardoc. Allez, retour sur Thomas Pinotto, cinquième qui résiste. Et vous avez bien fait de passer votre soirée de ce lundi soir en notre compagnie. Avec évidemment ce soir de la compétition qui va bientôt se terminer pour la Porsche qui va arriver au bout du bout de sa soirée. Et certaines vont être contentes parce que là, il fait... Il fait bon compter les pièces manquantes. Pour certains, attention David L'Espèce qui revient sur des retardataires. Et il reste 30 secondes, ce qui signifie que le pilote du Blue Sky Racing va donc imposer sa voiture s'il parvient à compléter cette ultime boucle, la 9e. Vincent Queudeville 3e. Derrière, ça semble un peu plus compliqué pour résister. Du côté de Thomas Pinotto en difficulté, est-ce que Gilles Châtelain va pouvoir faire quelque chose?
Allez, le freinage du bout de la ligne droite dans la dernière boucle de cette deuxième course de la soirée. Avec Gilles Châtelain, vous le voyez, qui est à l'attaque maximale. Il y a 3 dixièmes entre les deux là pour le gain de la cinquième position. On embarque avec Gilles. Oh, ça sort large et ça va profiter à Gilles Châtelain. S'il parvient à avoir assez d'aspiration. Et ça va protéger évidemment. Attention à ce que ça ne se termine pas en pugilat entre les deux là parce que ça va valoir cher ce freinage. Et Gilles Châtelain reste derrière. Allez, David Espèce qui est dans son dernier partiel. Et derrière Julien Rosé en proie à un retardataire. Et attention parce que Romain Degnaud est en train de se faire avoir par Aymeric Pierretti pour la 7ème position. On a peut-être la 7ème position au bout de ce tour. Le dernier freinage un petit peu loupé par David L'Espèce qui va donc s'imposer et sans doute remporter le titre de champion de France GT. On l'aura dans quelques instants à l'interview, bien sûr, l'ami David L'Espèce. Deuxième place pour Julien Rosé, bravo à lui. Vincent Queudeville sauve une course qui était bien mal engagée avec un joli podium. Et derrière, regardez ça, le trio infernal dans le dernier virage. C'est Fabrice Compan qui va passer, mais la cinquième place va revenir sans doute. Oh, alors là, il va falloir faire les comptes. Thomas Pinotto, quatrième, Fabrice Compan, cinquième, et Gilles Châtelain, derrière, sixième. Romain Degnaud qui aura résisté à Aymeric Pierretti jusqu'au bout pour la 7ème place. Guillaume Dupont, 9ème, 10ème place évidemment pour Didier Galéa. Et Nicolas Crespe, 11ème. Olivier Mardoc, sans doute 12ème à l'issue de cette course. Attention parce que David Châtaignier s'est mis dedans. Tout seul comme un grand, la marche arrière elle est là, il faut la trouver. Est-ce qu'on va l'engager? Non, allez, passons par le gravier, ça ira plus vite. Et bien voilà, David L'Espèce qui se place donc en champion plus que probable. Normalement c'est bon, hein, au niveau du classement, il avait 120 points avant cette épreuve. Et avec la déconnexion d'Olivier Vignon, eh bien, ça aura suffi à David. Il faudrait que je fasse un petit régime, je ne sais même plus fermer ma veste. Bref, peu importe. On va donc terminer avec les images de cette Porsche numéro 51 qui se sera imposée à maintes reprises cette saison et au point même de... bien offrir le titre à son pilote. On va marquer une courte pause musicale. On se retrouve dans quelques petites secondes, le temps de laisser le temps à David de ramener son bolide de Stuttgart dans le garage. Et on se retrouve pour la petite interview du désormais, je pense, champion de France GT dans cette coupe virtuelle. A tout de suite donc pour l'interview de David. David L'Espèce qui nous a rejoint pour son interview en tant que vainqueur de cette deuxième course de la soirée. Bonsoir David. Bonsoir Maxou. Alors, si on fait les comptes, champion ? Je sais pas, j'ai pas fait les comptes. Alors, tu étais à 120 points avant cette épreuve et vu que eh bien, Olivier Vignon a eu un gros souci, je ne sais pas, mais je pense qu'avec Julien derrière et Vincent, ça devrait être bon, je pense, au niveau de l'avantage. Attends, je vais regarder tout de suite parce que je crois qu'il y avait Vincent Queudeville qui était pas si loin que ça. Il était troisième. Alors, on va avoir le champion potentiel qui calcule s'il est champion, c'est très bien. Parce qu'au niveau des points, j'avoue que je n'ai pas sous les yeux le classement de cette Porsche Cup pour le moment. Donc, ben Vincent, non, c'était Vincent qui était deuxième avec 84 points. Ouais, alors, donc, j'étais à 120. J'étais à 120, donc 120 plus 40, 160, et 120 plus 35, si je dis pas de bêtises. 84 plus 35, pardon. 84 plus 35, on est fatigué, 119, donc ouais, a priori à un point, je pense que ça doit être bon, ouais, si les calculs aussi, sont bons. Je dirais ça, voilà, ça va, j'étais pas trop loin dans ma tête avec ce que j'avais comme référence, donc normalement pour un point, c'est bon. Eh bah, c'est une super bonne nouvelle. On va dire que c'est un premier trophée dans la liste qui t'attend peut-être d'ici Dijon. Mais on va revenir sur la course parce que c'était effectivement une course qui était entièrement acquise. Je pense que tu seras d'accord à Olivier qui a malheureusement dû abandonner sans doute suite à une déconnexion, je crois, j'ai pas bien vu. Ouais, ça fait je sais pas ce qui lui est arrivé. Ouais. Pas l'air d'être sorti de la piste. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, comment tu as vécu la course jusqu'à d'abord l'accident, enfin la sortie, l'abandon d'Olivier et ensuite, quand tu as réalisé que tu étais devant, comment tu as changé peut-être ta philosophie, ta manière de voir cette manche sprint ici avec les Porsche? Eh ben écoute, déjà j'ai été un petit peu surpris au départ parce que j'ai eu un petit freeze, donc ce qui fait que je me suis fait passer tout de suite alors que j'avais pris un bon départ.
Donc ça a compliqué d'entrer les choses, surtout avec Logan qui est venu me titiller un petit peu. Alors en plus Logan n'avait pas de FFB, donc c'était j'ai un petit peu serré les fesses pendant les premiers virages. Après je revenais petit à petit sur Vincent, mais alors pour ajouter à mes problèmes en cascade, j'ai rechangé de pédalier là juste avant la course. Donc il faut que je me réhabitue aussi à mon ancien pédalier. Donc ce qui fait que je manque un petit peu de rythme là, c'est pas super évident. Et puis bon, heureusement, j'ai eu de la chance de voir Vincent sortir au premier virage, peut-être sous la pression, je sais pas. Et ensuite, Olivier a disparu complètement. Là, j'étais très étonné parce que effectivement, comme tu disais, pour moi, bon, c'était Olivier qui devait finir devant sans trop de problèmes. Oui, d'ailleurs, s'il avait terminé devant, l'attribution des points aurait peut-être changé quelque chose et peut-être que Vincent aurait encore eu sa chance finalement à Dijon. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Donc c'est comme quoi le destin parfois ça tient peut-être à autre chose qu'à soi. Tu parlais de changement de pédalier. Est-ce que justement sur une petite piste comme ça avec les Porsche, un changement de pédalier ça doit quand même assez perturber, non? Enfin, je ne sais pas parce qu'honnêtement, t'es passé de quoi, dis-nous peut-être rapidement. Ben, je suis passé du pédalier du T500 et je suis revenu au pédalier d'origine du T300. Ah oui. Donc au niveau de la pédale de frein, c'est pas génial. C'est surtout la plus grosse différence. En plus de ça, j'ai un sale bruit au niveau de la pédale de frein. Au milieu de pédale, je te fais écouter, tu vas voir, c'est génial. Voilà, c'est très agréable. Ah, le Très bon très agréable. plastique. Voilà, je sais pas si c'est le plastique ou si c'est le ressort qui claque, mais c'est extrêmement pénible. Ouais, bien sûr, ça passe au-dessus du casque, hein, donc c'est pas Ouais. top. Mais voilà, bah écoute, en tout cas, félicitations pour ce premier titre, en tout cas acquis ce soir. On espère que pour la suite, on devra attendre Dijon, hein, puisque nous on reste neutre dans tout ça, donc on espère qu'il y aura encore de la bagarre à Dijon. Mais en tout cas, félicitations, c'est un titre acquis avec de la persévérance, mais aussi un petit peu de chance. Hein, ça n'est pas manqué de respect à ton talent, bien sûr. Mais bon, c'est vrai que là, pour le coup, c'est dû en grande partie à Olivier Vignon qui a eu un souci. On va se retrouver avec David pour la suite de la soirée. On espère peut-être, pourquoi pas, t'entendre de nouveau au micro. Qui Eh sait? ben on espère. Merci à toi et bonne chance pour la suite. Merci.